La coopérative Sator, c'est une coopérative qui regroupe des pêcheurs de l'ensemble de la façade de Méditerranée française. On a créé une marque collective qui s'appelle Thon Rouge de Ligne, dans le but de revaloriser un peu l'image du poisson, mais là aussi, elle est rattachée à un cahier des charges. Ce cahier des charges définit un certain nombre de mesures que le pêcheur doit respecter, donc, ce qui permet d'avoir une qualité de produit exceptionnelle, donc les moyens de conservation du produit, mais c'est une marque qui intègre aussi des contraintes environnementales pour le pêcheur. On essaye de communiquer au travers de cette marque, on essaye de montrer que c'est un poisson d'exception, donc c'est une marque facilement identifiable. Le poisson se retrouve avec un petit pins ici, marqué Thon Rouge de Ligne, et on peut s'assurer qu'il est suivi dans de bonnes conditions. Et puis on est en train de mettre en place deux certifications, ce qu'on appelle des éco-certifications, qui permettent de démontrer au grand public que ce poisson est pêché dans de bonnes conditions. On a travaillé cette nuit, on a calé une ligne palangre, et on a retiré la nuit, Voilà. C'est temps, dès qu'on les attrape, on les trempe dans un bain d'eau glacée pour les refroidir le plus vite possible pour qu'ils aient une bonne qualité de chair. Là, avant de pondre, il mange beaucoup. Ce poisson, il est gras, voyez. Vous voyez comme il est large, poisson. Voilà. Ça a une chair, là, c'est une qualité exceptionnelle. Quand il accélère comme ça, c'est tout le corps. Allez, goûtez-le.